Salut les copains, salut les copines, on espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hey, salut les filles, salut les copains, salut les copines. Vous avez vu les filles là, vous avez mis un pull sur vous, parce que vous avez un peu froid, parce que là on est fin octobre, l'hiver arrive, il commence à faire froid. Et moi je connais d'autres amis qui ont froid aussi. Lesquels ? Nos amis les animaux. Ah oui, ouais, l'hiver, ils vont avoir froid aussi. Et surtout, ouais, les pauvres. Et surtout nos amis à plumes, les oiseaux. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose d'aider nos amis, les oiseaux. Et comment ? Bah, en faisant des boules de graisse. Ah, les... Ouais, je vois. Non, Méwen, c'est pas la peine de regarder. Justine, c'est pas elle. On va pas faire une Justine. D'accord. Non, on va faire une boule de graisse, c'est ça va aider les oiseaux à se nourrir l'hiver, à faire des provisions, tout ça. Les oiseaux, ils doivent trouver des graines. Ils sont pas à manger, et si les graines des fleurs qui tombent, mais après, ils sont pas beaucoup d'autres à manger. Donc on va les aider, nous. Oui. C'est parti. On montre aux copains ce qu'on a besoin ? Oui. Allons-y, let's go. Alors les filles, pour effectuer ces boules de graisse, on a besoin de quoi ? De margarine. Alors, de la margarine. Et non, pas du beurre. Pas du beurre, de la margarine. Quoi d'autre ? Parce que c'est pas bon pour les oiseaux, le beurre. D'accord. Et quoi d'autre ? Des graines. Alors nous, on a pris un mélange de graines pour oiseaux de la nature. Oiseaux. 100% oiseaux. Et surtout, il ne faut pas donner des graines de tournesol salées. Mmh. Interdiction, ça. Mmh. Et on a besoin de quoi ? Il faut des bâtons. Et de la ficelle. Et de la ficelle. Mais Wen, petite question. Mmh. Est-ce que c'est bien de donner du pain aux oiseaux ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Sinon, en fait, s'il faut donner du pain, ils peuvent gonfler dans son ventre. S'ils boivent de l'eau après. D'accord. Donc, on donne très peu de pain. Faut mieux faire ça. Plus, ouais. Ou deux. Mais honnêtement, ça coûte pas cher pour. Là, on a quoi de faire une dizaine de boules. Pardon. Donc, franchement, pour 4 euros, on peut faire une dizaine de boules pour nourrir les oiseaux. Ouais. On part sur la fabrication. Oui. Oui. C'est un truc actif. Vas-y. Vous pouvez donner de la margarine tout seul. Ah, on peut donner de la margarine aussi tout seul ? Ah, mais c'est bien aussi avec les graines. Mmh. D'accord. Allez, on attaque la fabrication de la boule de graisse. Okay. Alors là, Justine, alors on a découpé des morceaux de ficelle. Donc, dans notre boule de ficelle, on a découpé un morceau de ficelle d'à peu près 20 cm. Et dans les bâtons, on a découpé un morceau à peu près 5 cm. Donc du coup, là, il va falloir que... Monte, Méwen. Il va falloir qu'on fasse ça. Donc, Justine... C'est facile, hein. Tu fais une boucle. Comme ça. Voilà. Je passe. Comme ça. Non. C'est si, maintenant tu mets ton bâton au milieu. Voilà. Au milieu, voilà. Tu tires dessus. On resserre et on refait une boucle. Et tu refais une boucle. Pour que ça tienne comme ça. Et voilà. Voilà, donc voilà, ça fait comme ça. C'est une chose à vous dire. Oui. Il ne faut jamais que le bâton soit comme ça, sinon ça ne va pas beaucoup pouvoir tenir. D'accord, et là c'est bon comment Justine l'a fait ? Ça dépasse un peu ? Oui. Il faut pas que la corde dépasse ? Ouais. Ah. Bon, ciseaux, tu coupes le morceau de corde ficelle qui dépasse. En fait, il fallait... Fallait faire comme celui que tu as fait. D'accord, ouais. Voilà, d'accord. Ensuite, nous devons faire quoi, Méwen ? Donc là, on a mis aussi des graines, on n'a pas dit, mais on a mis aussi... Voilà, on a rempli une petite assiette de graines. Voilà. Prendre la margarine. Dans vos mains, ouais. C'est ça ? Et vous faites quoi avec ? Justine, alors un morceau à peu près de 60 grammes, c'est ça ? Ouais. Voilà. Hop, margarine dans vos mains. Et après, on fait quoi, Méwen ? On doit faire une boule avec... Une boule avec. Allez, faites une boule. Bien la malaxer, mais pas trop. Comme ça. Et si elle n'est pas parfaite, la boule, c'est pas grave. Ouais. Il faut ramollir la margarine dans ses mains, c'est ça.
D'accord. Moi, c'est la chair amollie. Du coup, je fais ça. Ah, tu l'écrases. Ouais, je fais une galette avec mes mains. Tu fais une galette. Ok, vas-y, Justine, tu fais une galette aussi. Ouh, la bonne galette. La bonne galette de margarine. Les bourses-pinceaux à manger de ton cru. Voilà, c'est bon. Quand tu étends. Et après, on fait quoi quand on a étalé? On fait ça. Vas-y, Justine, alors tu fais comme ça. T'appuies dessus. Et c'est pas grave s'il t'en reste un tout petit peu. Ouais. Tu vas avec ta poule. Tu vas. On va en mettre dessus. En fait, tu vas récolter le reste. Le reste. Ouais. Et après, on fait quoi? Et là, comme on l'a fait, Titine. Quand on en est arrivé comme ça, vas-y. Alors, on en met plein partout. Ouais, c'est pas grave ça. C'est pas grave, non, mais je veux dire plein partout sur la margarine. Ah oui. Oui, par terre, ça se nettoie, c'est pas grave ça. Oui. Ça fera une graine en moins pour les oiseaux, mais tant pis quoi. Une graine en moins. Et après, les oiseaux, ils vont manger ça. Ouais. Et du coup, nous, on va pouvoir manger les oiseaux. Non. Non. Ah, d'accord. Donc après, ensuite. Qu'à contact. Pas manger les oiseaux. D'accord. Ensuite, mais ouais, toujours, hein. Là, faut appuyer fortement hein, pour que les graines rentrent bien dans dans la margarine, c'est ça? Ouais, ben, moi, appuyer fortement et ça a marché. Ça a marché, d'accord. C'est bon, moi, après, on fait une boule? Ouais, d'accord. Même s'il y a... Et là, on fait une boule. D'accord, on fait une boule. Satisfaisant. Ouais. Alors, ah, d'accord, sur la après, on peut remettre des trucs à l'intérieur de la boule, sur la boule, d'accord. Moi je faisais faire des roulades. Il y en a plein partout. Et du coup, après il faut prendre un couteau, c'est ça, et couper la boule en deux. Non, on doit le faire avec ses pouces. Ah, d'accord, alors avec ses pouces. Comme ça. Alors monte-nous, voilà, comme ça, on coupe la boule en deux. Et, après, ça, on fait... bon. Et après on fait quoi? Oui, vas-y, mais comme ça, c'est pas grave, Loulou. On prend le voilà le bâton comme ça voilà. J'essaie que le bâton la ficelle ne rentre pas dans la ouais et je refais une boule et tu refais une boule avec le bâton au milieu d'accord et attends avec les toits qui me restent j'essaie de pas que la margarine que la ficelle ouais, d'accord faut pas que la ficelle rentre dans la margarine. Du coup, on met le ouais, dedans. Comme ça. Comme ça, c'est... Voilà. Et Mirwan, elle a fait voir ta boule, du coup, de graisse. D'accord. Et si tu veux, même s'il y a tes chatous, tu peux en remettre... Vas-y, bah fais-le. Tu es arrivée, Justine, toi? Ouais. Et moi... C'est bon. Wow. Elle est jolie. Hein. D'accord. Là, les oiseaux, je pense qu'ils vont être heureux, non? Ouais, ils vont trop bien nous remercier. Ouais. Ils ont regardé toutes nos vidéos. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Et là, après, quand c'est fini, il faut la laisser... Au frigo pendant 4 heures. C'est 4 heures au frais. Et après, on peut aller l'accrocher... Dans les bois pour que les animaux... Oui, et aussi, on peut la mettre sur les fenêtres. Le report de fenêtres. Le report de fenêtres, d'accord. Nous, on en a déjà fait... Mais on en a déjà fait une avant. Oui. Donc... On va vous montrer à quoi ça ressemble. Là, parce que celle qui est là, elle est déjà 4 heures au... Elle était 4 heures au frais. Donc ouais. Voilà, après 4 heures au frais, voilà. Quelle est belle. Donc là, je sais pas si vous voyez correctement. Arrête de tourner. Elle est super belle, regardez. On dirait une boule de disco. Ouais, non, là du coup, là, la margarine, elle est bien dure. Il y a les graines. Et là, les oiseaux, ils vont pouvoir avoir ce qu'il faut à manger pour eux cet hiver. Ouais, donc, les copains et les copines. Et si vous savez si ça prend, comment on peut faire pour les vaches? On s'en fait. Non, les copains et les copines, si vous avez un moment et si votre papa et votre maman sont d'accord, un peu de margarine, un peu de graines à oiseaux et vous en faites 2-3 et après vous profitez, vous allez vous balader dans les forêts, vous accrochez aux arbres et ils vont être super contents les oiseaux, ça va leur faire plaisir. Au moins, ils auront de la nourriture. Pour cet hiver. Pour cet hiver. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on est super contents de vous avoir fait profiter de ça et de vous avoir, en espérant de vous avoir appris à faire quelque chose d'utile et de bien pour la nature. Oui. Si, avant de se laver les mains, oui.
On fait les crânes comme ça. Ah oui, bah bien sûr. Donc, je pense qu'il est temps de dire au revoir aux copains. Donc, on espère que ça vous a plu. Oui. Surtout, faites-en, c'est super important pour les oiseaux. Oui. On vous fait plein de bisous, plein de... On vous dit... À la prochaine. Ciao, ciao, les copains. À plus.